pouvez courir, mais vous ne pouvez pas échapper à... Ah ! Allez, Stunts, fais-leur une démonstration. Ce n'est pas une méga morph depuis longtemps, mais il n'a aucune difficulté à battre la boule de Johnny. Parce que Johnny ne lance pas de méga morph. Et je vois pourquoi. Son accélérateur est cassé. Rencontrer Johnny avec un accélérateur cassé, c'est une belle occasion de l'arrêter pour de bon. Encore faut-il l'attraper avant qu'il n'en ait un nouveau. Ces conteneurs abandonnés sont ici depuis longtemps. Ils forment un labyrinthe avec peu de sorties. Ah ! On bloque les sorties ! Alors, vous voulez jouer à ça? Bien. Amstramgram, allez! Vous voulez vous mesurer à moi? Ça, c'est pas bon. Un autre chemin. Johnny sera parti depuis longtemps. Si seulement j'avais réussi à avoir ce soldat de pierre. Oui, oui, tu as été le maillon faible. Mais encore une fois, comparé à Pronto qui ne l'est pas, hein. Quoi? Ce n'est jamais facile de battre un soldat de pierre. Je suis même surpris qu'on en soit capable. Tu as raison. Grâce au slug fou, toi et Junji avaient un avantage. Et je pense que je peux trouver un moyen d'en avoir un moi aussi. Grâce à Stunts. Stunts? Oui, avec un peu de technologie sur ses lunettes, je pourrais les relier à l'écran de mon blaster et programmer un itinéraire à distance. Ça te permettra d'être plus précis lors des lancers, comme le Slugfu. Exactement. Mais il me faudrait des outils spéciaux et des composants pour le construire. Ça ne doit pas se trouver facilement ici. Junji, qui aurait ce genre de choses dans les cavernes de l'Est? Je connaissais un technicien qui devrait avoir ce dont tu as besoin. En fait, son atelier ne devrait pas être bien loin. Par ici! Oh. Désolé. Attendez, on dirait qu'il y a un raccourci vers son atelier. Et il est toujours en activité. Oh, oh. Vendu! Je veux dire, on y va. On va poursuivre Johnny. On a encore une chance que Pronto puisse le pister. Une chance? Merci, les amis. Vous savez comme c'est important pour moi de peser dans la balance. C'est vrai que tu es très lourd. Mais quoi? Oh! Avec ce nouveau système, je vais faire la différence dans la balance. Wow. Est-ce que je suis au bon endroit? Je suis à la recherche du technicien. J'ai deux mots pour toi. Bonne chance. Me dire que je suis inutile. Hé, vite, à quoi
quoi sert le déclencheur d'énergie spatiale? À déclencher l'énergie spatialement. Bon, entrez. Waouh, c'est vraiment génial la technologie de l'Est. Enfin, j'ai déjà vu des choses comme ça, mais tout ici semble être un petit peu différent. Excusez-moi, mon travail est suffisamment difficile sans que j'aie à nettoyer derrière vous. Désolé, mais tout ça est vraiment super. Mais c'est vrai que j'espérais trouver plus de machines, comme dans une usine. Alors ça, c'est super joli. Je vous demande pardon. Oh non, je ne parlais pas de vous. Enfin, vous êtes joli, mais... oubliez ça, je m'appelle Cord. C'est quoi le problème avec le technicien? L'employé que j'ai croisé dehors m'a fait comprendre qu'il n'était pas facile. Non, oh, allez, je sais que c'est votre patron, mais d'où je viens, les trolls ont toujours des patrons horribles. C'est plus vivable si on trouve ça amusant. Hey, regardez-moi, je suis le technicien. Je suis le technicien. Oui, c'est bien, mais ajoutez un peu de là-dedans. Je suis le technicien. Ouais, c'est pas mal. Ça sonne encore un peu trop intelligent, mais vous pouvez y arriver. Je suis le technicien. Je suis le technicien. Oh. Si vous n'avez rien de plus instructif à ajouter, rendez-moi service et ne me faites pas perdre davantage de temps. Vous avez insulté le patron le premier jour, bravo. Le patron, je croyais que c'était vous. Ah oui, vraiment, qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Parce que vous êtes si... vieux. Donc vous allez devoir trouver mieux que ça, mon garçon, ou vous n'allez pas rester plus longtemps que la précédente. Qui? L'employé que vous devez remplacer. Non, je ne suis pas ici pour travailler, je suis ici pour... parce que j'ai besoin d'aide. Ici, c'est moi qui ai besoin d'aide. Je suis le seul qui travaille pour elle. Je n'ai pas fait de pause café depuis 8 ans. Si vous n'êtes pas là pour aider, la porte est par là. Attendez, on peut peut-être s'aider mutuellement. Je vais vous montrer mon idée. Je dois toujours trouver un moyen de rétrécir ce transmetteur à la taille d'une slug. Ce qui ne va pas être simple puisque la miniaturisation fait saturer les ions. On peut éviter ça en utilisant un déphaseur magnétique. Je n'avais pas pensé à ça. Je peux calibrer les polarités pour améliorer la stabilité. Je suis impressionnée, c'est vraiment une bonne idée. Oh, merci. Bien, oui, nous avons encore du travail, mais ces idées suggèrent que vous avez un peu de matière grise dans le crâne. Dommage que vous ne soyez pas là pour le poste. Et si je vous aidais un peu ici? Ensuite, vous m'aideriez à construire mon dispositif. Habituellement, ce n'est pas comme ça. Embauchez! Finissez ça, je vous amène ce qu'il reste à répertorier. D'abord, amenez-moi un peu de café. D'accord. Donc, on a un accord? Oui, tant que vous ne me décevez pas. Vous n'avez droit qu'à un avertissement. On approche. Je peux les sentir. Mettez ça dans le générateur. Dites, quand est-ce que vous allez vous pencher sur mon idée? Si vous êtes pressé, je vous suggère de vous dépêcher. Le générateur est là-bas. Même une petite secousse pourrait le faire exploser entre vos doigts. C'est l'un des avantages de mon travail. Du moins, ça l'était. Content que vous soyez là, mon garçon. Dites, c'est sensible à quel point cet engin? Extrêmement. Vous disiez vouloir un dispositif pour aider vos amis. Les aider à quoi?
Encore une fois, je ne voudrais pas me vanter, mais on essaie d'aider Junji à rétablir l'ordre des choses. Junji ? Oui. Vous le connaissez ? Tout le monde connaît le lanceur obscur. Oh, non, il n'est plus le même aujourd'hui. Bien sûr, il a fait de mauvaises choses. D'accord, de vraiment très mauvaises choses, mais c'est devenu quelqu'un de très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de tout ça plus tard ? Comment est-ce que je pourrais faire confiance à l'ami d'une personne qui a fait tant de mal autour d'elle ? Écoutez, je peux au moins vous promettre une chose, c'est que je ne suis pas là pour vous créer des problèmes. Oh, oh. Je vous avais dit de mettre le tube dans le générateur ! Je l'ai fait ! Ça, ce n'est pas un générateur, c'est un four ! Désolé pour ça. Et ça. Oh, et ça. Voilà vos cheveux. Considérez que c'est votre seul avertissement. Oh, courage, mon garçon. Je ne peux plus être son seul et unique assistant désormais. J'ai besoin de vous pour faire pencher considérablement la balance. Oui, j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de vous ? Vous n'êtes pas assez fort pour ça. Ou peut-être que si. Et voilà reparti. Oui. J'ai réussi. Bien, vous allez enfin pouvoir nous quitter. Attendez, il n'est pas encore parfait. J'ai encore besoin de votre aide pour le terminer. Regardez, j'ai fait un prototype du dispositif. Avec ça, je peux programmer un plan de vol qui suivra la slug. Qu'est-ce que vous faites? Ne lancez pas de slug ici. Avec votre aide, il fonctionnera beaucoup mieux. Pour le moment, je peux déjà l'utiliser pour diriger Stunts. Génial, vous ne trouvez pas? C'est comme le slug fou. Ouais. Mais pourquoi vous avez fait ça? Le lanceur obscur a attaqué notre fabrique avec le slug fou. Ce n'était pas la faute de Junji, c'était la faute d'une slug qui jouait avec son esprit. Junji ne se souvient même pas de ce qu'il a pu faire. Moi, si. Mon père était le technicien avant moi. La fabrique n'a jamais pu retrouver tout son potentiel après cette attaque. Et mon père non plus. Je n'ai pas voulu tout réparer pour ne pas oublier. Et je n'ai pas oublié. Mais mes amis... Ils ne sont pas mes amis. Allez-vous-en. Il nous reste à calibrer le viseur statique. Nous allons devoir faire des heures supplémentaires. Ah, génial. Encore. Je ne vous remercie pas, mon garçon. Eh bien, nous voilà bien. Comment je suis censé faire pour faire la différence contre... des soldats de pierre? Je sais qu'on doit faire quelque chose, mais je ne peux pas affronter autant de soldats de pierre tout seul. D'un autre côté, eux non plus. Tu as trouvé la trace de Junji ? Hélas, non ! Ici, Pronto le Magnifique, le meilleur pisteur de l'Ouest et de l'Est, ne peut pas le trouver, alors il n'y a personne d'autre qui... Corde a trouvé Junji ! J'ai besoin d'un accélérateur. Fouillez cet endroit et trouvez mon... Ah ! Oh, je croyais que Cord avait déjà fait assez de dégâts pour la journée. Oh. Des soldats de pierre. Cord ?
Salut. Oh. Vous avez amené les soldats de pierre ici. Quoi? Non, je... Une petite seconde. Oh. On doit partir. Où est-ce qu'ils sont allés? Trouvez-les. Comment faire sortir ces choses de ma fabrique? Le seul moyen que je connais, c'est de les pulvériser. J'espère que vous êtes plus compétent là-dedans qu'en tant qu'assistant. Oui, enfin, pas toujours. Mais je peux y arriver si on répare mon dispositif. Si vous m'aidez, je sais qu'on pourra y arriver. Allez, viens! Ah, mais je fais ce que je peux! Je suis vieux, n'oubliez pas! Il nous faut ce composant qui est là-bas! Allez le chercher, je vais créer une diversion. Hey, toi! Tête de caillou! Est-ce qu'on ne t'a pas appris les bonnes manières? Oups! Oh, voilà, c'est parti. Oh, je vois. Vous avez amélioré les coupleurs. Oui, ça optimisera la connexion avec n'importe quel slug. C'est incroyable. Vous êtes un génie. Cord, pourquoi êtes-vous revenu? Pour faire ce que moi, Junji et le reste de mes amis faisons toujours. On fait tout pour aider. Je sais que je ne vous ai probablement pas convaincu. Cord, je suis une scientifique. Je ne crois que ce qui peut être prouvé. Vous êtes ici, et c'est une preuve suffisante pour moi. Oui, on n'a pas de temps à perdre en bavardage. Il peut voir votre fessier. J'adore cet engin. C'est beaucoup mieux que les lunettes. Ne le prends pas mal, Stuntz. Maintenant que j'ai l'accélérateur, vous ne faites plus les fiers. Vous croyez avoir un bijou de technologie? Attendez de voir ça. Vous vous croyez fort grâce à ce jouet? Oh que oui, mon grand. Oh non! Allez, Stuntz, c'est ton heure de gloire! Ouais! Salut, les amis! Comment ça va? On dirait que tu ne t'es pas ennuyé. Oh, ça, c'est bien vrai. Impressionnant, Cord. Tu as trouvé un moyen d'imiter le slug fou? Non, mon ami. Je ne peux pas contrôler les slugs, mais je peux leur indiquer le chemin. Le slug fou, c'est ton truc. Ça, c'est le mien. Grâce à vous. Technicien, la réputation de votre père est légendaire. Mais je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tous les amis de Cord sont les bienvenus ici. Et on adorerait rester, mais on dirait que d'autres soldats de pierre n'attendent que nous. Bon, allons-y. Attendez, avant de partir, je voudrais vous donner quelque chose.
Merci, technicien. C'est Drusilla. C'est quoi? Mon nom, enfin! Oh. Allez, vous devriez partir avant que je ne change d'avis à votre sujet. On dirait que tu ne t'es pas ennuyé, hein? Ah, quoi? Tu veux bien arrêter ça? Va donc me chercher un café.